que je prépare pour l'enduro. Ghislain, c'est quoi tes attentes un peu? Avant-dernier. Avant-dernier. ton enduro, un peu tes objectifs? C'est de finir la course comme tout le temps. Quand on finit la course, ben, on a tout le temps une chance de ramasser des points. C'est ça le principal, c'est de finir la course. Merci, Marco. Sylvie Bouard, parle-moi un peu de saison 2014. Pas une belle saison, plein d'avaries d'un bord puis de l'autre l'année, mais pour avoir c'est fait du fun quand même toute l'année. Enduro aujourd'hui avec Claude Frédéric, parle-moi un peu de vos objectifs. Voilà, je me suis pogné tout qu'un coéquipier, on va essayer de finir sans beauté. On va chercher le podium, on va essayer à deux là, au moins chercher le podium. Danny Duclos qui a une bonne saison, troisième au classement général. Ordinaire, moi. Non, mais en tout cas, Danny, parle-moi un peu de ta saison justement. C'est ordinaire, hein? Mais overall, ça s'est amélioré à la fin. On va dire que c'est un bon signe pour l'année prochaine. Alors, notre nouveau père de famille, Alexandre Royaudet, parle-moi un peu, saison 2014. Très bien passé, ma chaîne allait bien. On a manqué une course à cause de la venue du nouveau-né. Fait que là, il faut redoubler d'ardeur aujourd'hui pour pouvoir battre Pierre. Et avec Olivier Bouard, parle-moi un peu de tes attentes. Ben là, j'ai été recruté par une écurie de pointe, étant donné les résultats des deux premières courses. On va essayer de ne pas décevoir l'équipe. Il y a eu peu de pratique, mais on est confiant là, pour essayer d'établir une bonne moyenne autour. OK, super. Roger Drouin, parle-moi un peu de ta saison 2014. Très bonne saison, sauf que Pierre est toujours devant moi. Pour le reste, une superbe saison. Oui. Yeah.